Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Gus, bienvenue sur Football Manager 2014 pour la carrière avec l'Olympique de Marseille. Et oui, l'Olympique de Marseille, donc voilà, vous le voyez, je vous rappelle vite fait, hein, j'étais à Caen, je me suis fait virer, me voici donc à Marseille. Le classement général, Paris, Marseille, Lille, Lyon, Tours, Guingamp, Rennes, Saint-Etienne, Nice, Montpellier, Nantes. Voilà, donc après il y a Sochaux, Lorient, Valenciennes, Toulouse, Bordeaux, Monaco, Lens, Nancy et Évian. Bon dernier. C'est dur pour Monaco, en tout cas Monaco là qui a du mal. On se demande pourquoi, hein. Franchement, Monaco a une belle équipe, hein, mais bon. Il y a quand même des Falcao, il y a vraiment du beau monde, hein, Monaco. Mais ils souffrent. Bon écoutez, après, c'est pas grave, hein, on va pas non plus en faire. Mais quand même, c'est assez étonnant de les retrouver aussi loin au classement général. En tout cas, bah écoutez, nous, l'Olympique de Marseille, on gère bien, là, on gère tranquillement. On s'est fait éliminer par Paris en quart de finale, demi-finale, je crois, de la Coupe de la Ligue. Mais bon. Voilà, donc là, aujourd'hui, il y aura 4 matchs. Voilà, il y aura Saint-Etienne, Nantes et deux fois Paris en quart de finale de la Coupe de France et en championnat. Autant vous dire que ça va être assez compliqué. Ouais, deux matchs compliqués là. Paris, on a déjà perdu une fois contre eux. La dernière fois, c'était match nul qu'on avait fait en championnat. Toujours compliqué. Bref, en tout cas, on va se retrouver donc tout de suite pour le match contre l'AS Saint-Etienne. Ça doit être la 31e journée, je crois. En tout cas, c'est parti. Et oui, début du match contre l'AS Saint-Etienne. Je vous laisse en musique, à tout de suite. Solo
Et c'est la fin du match entre l'Olympique de Marseille et le Saint-Etienne. Match nul, un but partout. Ouais, bon bah voilà, bon match qui a duré assez longtemps, match très très long, mais bon, pour ça pour match nul. Eh ben écoutez, c'est pas grave, allez, on se retrouve tout de suite là pour le prochain match face au FC Nantes. Faut le gagner celui-là. Allez, on y croit. À tout de suite. Et voilà donc le début du match entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille. Comme d'habitude, comme sur cette vidéo, en tout cas, je vous laisse en musique et vous dis à tout de suite pour la fin du match et le score final. Allez, let's go! Tonight, please don't run.
please stay a little longer. Please remember until tomorrow. I don't want to go. Et voilà, c'est la fin du match, victoire 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille face à Nantes, et oui, enfin, ça fait du bien. Non mais on reprend bien, voilà, c'est bien. L'Olympique de Marseille, voilà, les autres résultats, bah vous voyez, hein, je vous laisse les découvrir. Avec les victoires de... Guingamp, voilà, Guingamp qui gagne par exemple. Non mais je vous laisse découvrir les résultats, y a pas de problème, hein. Vous savez lire, hein. Le classement général, ben toujours Paris, Marseille, Lille, Lyon. Voilà. Toujours eux pour la bataille. Bref, on se retrouve tout de suite pour la 32e journée de Ligue 1. Qui sera contre... Je ne sais plus qui. Je ne sais plus. Ou alors c'est le match de Coupe de France, peut-être contre Paris. Ah oui, c'est peut-être ça, oui. C'est peut-être le match de Coupe de France. Je ne sais pas. En tout cas, voyez le classement. Ça n'a pas beaucoup changé. Allez. A tout de suite pour le match contre Paris en quart de finale de Coupe de France. Mais avant ça, voilà, je tenais à vous montrer la victoire du Stade Rennais en Coupe de la Ligue. Finale de Coupe de la Ligue 2-0 pour le Stade Rennais. De but d'Alessandrini face au Paris Saint-Germain. J'espère que ça va les fatiguer, j'espère. Parce que là, on a deux matchs contre eux à faire. Bref, allez, c'est parti pour le match de quart de finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. A tout de suite. Et voilà, début du match contre l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de France. Je vous laisse en musique et je vous dis à tout de suite.
La défaite du. Oula, la défaite de l'Olympique de Marseille, 4 buts à 2 face au Paris Saint-Germain, rien à dire avec ce magnifique but en fin de match. Mais écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le prochain match contre Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'est parti! Eh oui, c'est parti, match de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain encore, et oui, on les affronte une deuxième fois de suite. Espérons que l'issue soit plus favorable que match aller. Enfin, que match aller. Oui, que match aller qui avait fait match nul, un but partout, deux buts partout, je crois. Et enfin, le 4-2 qu'on vient de se prendre là en Coupe de France, plus la défaite 2-1 en Coupe de la Ligue, ça commence à faire beaucoup. Bref, allez, je vous laisse en compagnie d'une belle musique pour ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Tout de suite.
Décidément, le Paris Saint-Germain ne réussit pas. Voilà, défaite encore une fois, 2 buts à 1 face à Paris. C'est pas grave, allez, le classement général. Le Paris Saint-Germain, leader derrière Marseille, Lille, Lyon. Les Saint-Etienne, Lens et Guingamp. Voilà, donc ça ne bouge pas. Et en fin de tableau, Monaco, Nancy, Lens et Evian. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, là, voilà, on reste bien nous bien calés pour la Ligue des Champions, on est bien parti. Ça, il reste plus que 6 matchs, hein, je crois. Il reste 5 matchs de Ligue 1. On rencontrera Valenciennes, Lille, attention, voilà, ce match va être très important, Lens, Monaco et Sochaux. Voilà, 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 écoutez, sur ce... Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et surtout... Eh bien écoutez, gardez confiance, l'Olympique de Marseille n'est pas loin. Ceux qui n'aiment pas Marseille, bah désolé, mais Marseille sera logiquement Ligue Champion l'année prochaine. Bref, allez, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et la fin de cette saison de Ligue 1. Voilà, allez, ciao tout le monde.